Hello, bonjour, good afternoon everybody, good morning for those who are watching from afar. On est très 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 heureux, très honoré, très joyeux d'accueillir aujourd'hui Pietro Marcello, qui est voilà, un des grands cinéastes contemporains, un aventurier du cinéma, un poète du cinéma. On va avoir le temps cet après-midi de parcourir son œuvre et on s'en réjouit énormément. Je suis très contente aussi que cette masterclass soit animée par la très grande Rebecca Depas, qui est membre du comité de sélection de Visions du Réel depuis 2 ans et qu'on est voilà, très contente de pouvoir, sur laquelle on est très contente de pouvoir compter pour cette masterclass. Juste, alors, deux informations très importantes. La première, c'est que cette masterclass et cette invitation à Pietro Marcello est organisée en collaboration avec la aide de Genève, donc l'école d'art de Genève. On est très heureux, là aussi, de ce partenariat. Vous pouvez découvrir de nombreux textes dans le catalogue qui donc, ont été produits, écrits par la aide. On est ravis de pouvoir, là aussi, compter là-dessus. Et puis, d'un point de vue pratique, dans la salle, il faut prendre vos téléphones et télécharger cette application qui a le nom étrange, si vous ne l'avez pas déjà fait, de Choose by Odeka. Et sur Choose by Odeka, vous pourrez donc récupérer la traduction anglaise et française. I'm going to say that for those watching from afar again, this masterclass is available in Italian, in French and in English. Yeah, that's how we do it here, very classic Vision du Réel. So make sure that you can find the language that works for you. On our website, you will find, I'm not sure my mic is still on. On the website, you will find French and English. On YouTube, you will find French, English and Italian. And on Facebook, you will find English. So check it out. I hope this masterclass will be great, but I have no doubt. And Rebecca, the floor is yours. Go, go, go. And Pietro, I hope you will have a lovely time. Merci. Thank you.
Pietro Marcello, depuis une quinzaine d'années, parcourt avec ces images l'Italie entre passé et présent. Malheureusement, la traduction en français n'est pas possible en raison de l'écho. À la dignité de son peuple. Son cinéma, si ancré dans sa terre, réussit pourtant dans l'ambition de créer des récits universels dont les valeurs de justice et de beauté se déclarent photogramme après photogramme. Cinéaste, producteur, mais aussi cinéphile et aventurier, primé dans les meilleurs festivals au monde, catalyseur d'énergie créative, le cinéma de Pietro Marcello dialogue avec les réels duquel s'y nourrit et grâce auquel se renouvelle sans cesse. Tel comme les Pulcinella que l'on vient de voir, conscient de son rôle et de sa mission, Pietro Marcello remplit nos yeux et interroge nos esprits dans chacun de ses films. Je vous prie de donner la bienvenue à Pietro Marcello. Bonjour Pietro. À tout le monde, j'ai pas... Oui, je t'écoute. Alors, je parle très mal français, on va parler italien parce que mon frère, c'est très compliqué pour expliquer. Parlo italiano. Parliamo italiano. Ok, vai. Sì. Bene, siamo qui nel quadro degli ateliers di Visions du Réel, che è uno spazio Nous molto importante in cui aux ateliers de parliamo di cinema e della sua fattura. Siamo temps du réel, nous parlons de cinéma, de l'élaboration d'un film, de la naissance d'un film, de son influence, mais aussi du travail pratique et de ce que provoquent les films. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord parler de ta formation. Je crois que nous avons à peu près le même âge. Nous avons grandi dans les années 80-90, qui était une période assez spéciale pour l'Italie. Nous avons en quelque sorte été agressés par la télévision. Beaucoup de choses ont changé depuis. Beaucoup de choses se sont passées à l'intérieur des familles. Malheureusement, le son n'est pas très bon et l'interprétation n'est pas toujours possible. Je suis née tout près du palais de Caserta, près de Naples. Je jouais dans les palais, dans les jardins du palais de Caserta. Je connais bien ces ruines, l'architecture des parcs. J'ai grandi dans la beauté de mon pays et de ses paysages. Il s'est agi d'une grande expérimentation alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants dans la rue. Avant, les enfants étaient partout. Aujourd'hui, tu traverses une ville et il n'y a plus d'enfants dans la rue. C'est une remarque que j'ai faite lors de la réalisation de la Bocca del Lupo à Gênes. Je disais que dans les ruelles de Gênes, il n'y avait plus d'enfants qui jouaient dans la rue, alors que moi, j'ai grandi dans la rue. Tout d'abord, les mamans que faisaient auparavant et te laissaient sortir pour aller jouer dans la rue. Après, j'ai beaucoup appris grâce à l'école du DAM. Le DAM, nous le rappelons, est un lieu important duquel tu es sorti en tant que réalisateur. Quelle a été l'influence de cet endroit où tu t'es formé? Les vidéos que nous venons de voir du bel Perduta sont des films là, que j'ai réalisés avec Sergio Vitolo, qui est le personnage de Pulcinella dans Bella e Perduta. C'est un grand ami et c'est aussi un réalisateur. C'est comme ça que nous avons commencé. Je crois que nous n'avions que 18 ans à l'époque. C'est aux dames que j'ai tout appris. C'était une formation de la base au sommet. Nous menions aussi des activités sociales. Il y avait un petit cinéma dédié aux enfants du quartier. Parfois, nous pouvions y travailler. C'est ainsi que je me suis rapprochée du monde du cinéma en tant que cinéphile. Le DAM a été
un grand tournant, en ce sens que j'ai fait mes premières armes sur place. Une expérience d'envergure, je dirais, qui a duré pas mal d'années, jusqu'à mes 26-27 ans. Le DAM était une expérience collective. Lorsqu'on apprend à faire les choses pour les autres, on apprend énormément. En même temps, je faisais mes études à l'Académie des Beaux-Arts dans ces années-là, mais j'ai vite compris que je n'allais pas devenir peintre. Et le cinéma était un heureux repli. Je crois que c'est aussi le cas de pas mal de réalisateurs qui ont peut-être commencé avec des études d'ingénieurs, mais qui par la suite sont devenus réalisateurs. J'avais tout un tas d'objectifs et j'aime la peinture, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas assez bon. J'avais besoin d'être au milieu, entouré de personnes, et c'est ce que j'ai pu faire aux dames. Au début, quand j'ai commencé à tourner mes films, je n'avais pas de formation technique, même si j'ai pas mal étudié en tant que directeur de la photographie, ce qui m'a permis d'apprendre pas mal. Mais au début, je ne savais pas tourner. Au début, je connaissais pas mal de notions d'histoire de l'art, ce qui a toujours des liens avec le monde du cinéma. Le cinéma existe aussi grâce à l'architecture, à l'art et à la peinture. C'est pourquoi il est si beau. Je crois qu'il faut remercier l'histoire de l'art. Si le cinéma existe, il a permis des résultats faramineux dans le monde du cinéma. Tout à l'heure, nous avons vu quelques morceaux de Bella et Perduta, une scène notamment où Polichinelle caresse ce qui semble être un de ses portraits. Dans Bella et Perduta, nous avons peut-être le plus grand rapprochement entre le cinéma et la peinture. Souvent, je pense aussi aux aspects liés à la production. J'avais énormément de chutes de pellicule avant de réaliser ce film. J'ai utilisé ces images. Ce film a vu le jour avec une idée qui a beaucoup changé en cours de route grâce à l'aide de Maurizio Braucci. Il est difficile d'écrire un documentaire. Il est déjà difficile de créer un produit de fiction. Et ma méthode consiste à ne pas reposer excessivement sur l'écriture. Moi, tant que je ne tourne pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce que j'imagine en phase d'écriture, je dois l'adapter à la réalité. Magari qualche cosa che poi aiuta ad arrivare all'immagine finita. È interessante. Malheureusement, les questions ne peuvent pas être traduites en raison d'un important écho pour les interprètes. Si chiede di più come sia stata la scrittura di questo film, perché sembra un film fatto sul luogo, sembra un film che è cambiato nel divenire, sembra che si è adattato molto a quello che è successo. Se vuoi facciamo partire. Sì, certo, è stato. L'ho realizzato, l'ho iniziato a girare che avevo 28 anni. J'ai commencé à tourner ce film alors que j'avais 28 ans, avec un tout petit budget. In quel caso lì tutti i miei film nascono come inchieste. Tous mes films voient le jour comme des enquêtes. Il est important de comprendre de quoi il s'agit. Je crois qu'il y a un lien avec les premiers documentaires qui m'ont appris à mener des enquêtes. Je crois qu'il est important de commencer par des enquêtes que nous allons par la suite transformer. Les enquêtes sont importantes. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Que ça.
Na minha casa, a única maneira per rimanere liberi e indipendenti. Sono un animale d'abitudine, come si abitua a trattare. Uno deve seguire il suo destino. Se avessi toccato il denaro ero finito. Non avendo mai toccato il denaro mi sono salvato, no? Chi tocca il denaro è finito. È schiavo del denaro. Chi va in chiesa è schiavo della chiesa. Chi va sul treno è schiavo del treno. Ognuno si localizza dove gli piace di più. La cosa più interessante al mondo è quella. È stato un po' tagliato corto. Je crois qu'il y a une coupure. Mi piacerebbe parlare di questo preciso momento, perché secondo me ci sono dei temi che poi ritornano. J'aimerais parler de cet instant, car il y a des éléments récurrents dans tes films. La liberté, notamment le fait de toucher de l'argent, ce qui nous ramène à ton activité de producteur, et le montage. Nous le voyons dans cette séquence très intéressante, c'est-à-dire comment il est possible de sortir d'un espace et le fait que les séquences soient toutes liées entre elles. Tu disais que ce film a été réalisé avec un tout petit budget. Oui, tout à fait. Nous avons démarré avec un tout petit budget, avec un autre collègue et avec un groupe d'enfants qui étaient des débutants. Moi, j'avais déjà réalisé quelques documentaires tels que La Baraka, Il Cantiere. Il y avait déjà Monsieur Antonio qui était très habile. Il y avait Marcello Anselmo, Sarah Gaillet, qui est ensuite devenue une aide au montage de mes films. Il y avait Ili Hervé qui a participé au montage de Martin Eden. Bref, un groupe que nous avons créé à l'époque, mais nous étions tous en herbe, nous étions tous très inconscients et tenaces. On voyageait en train et cela nous a permis de faire une cartographie de tout le pays. Nous avons emprunté, je crois, tous les trains express qui sont par la suite disparus. Ils n'existent plus aujourd'hui, ces trains.
Et cela représente en quelque sorte une espèce d'archive très importante pour moi, quelque chose comme un legs que nous faisons au pays. Ce sont des trains qui avaient été construits après la guerre dans les chantiers sidérurgiques de l'Ilva à Gênes et qui ont permis le miracle économique italien. C'est quelque chose qui a caractérisé l'histoire de notre pays. Songez aussi à l'image, à la forme de notre pays et vous allez vite comprendre que les trains sont essentiels pour un pays comme l'Italie. Le tout a commencé par une enquête que nous avons menée. Nous avons réalisé une quinzaine d'heures d'interviews, peut-être plus, et de tout cela, nous en avons extrait 15 minutes de produit final. Dans toutes ces interviews, nous interviewons des voyageurs, des ouvriers. Donc, tu as commencé par une enquête. Les interviews que tu as collectées aboutissent donc à un produit final de 15 minutes. Oui, c'est cela. C'est ce que j'ai toujours fait. Bella e Perduta voit le jour grâce à une enquête. Et c'est un film que j'ai tourné à Gênes. Moi, avant de réaliser quelque chose, j'ai besoin de comprendre. C'est important de comprendre et de connaître. Il en va de même pour le personnage grand militant de la liberté de l'Europe qui voyage en train. Il n'est pas possible d'écrire tout cela. Après, j'avais tout de même un canevas. Le point de départ était mon enquête. Mais ce qui compte, ce sont mes personnages que je choisis et à qui je demande de relater leur histoire. Il en va de même pour Niccolo, que j'ai rencontré près de Vérone. Il était réveillé. Il a commencé à me raconter son histoire alors qu'il mangeait une banane. C'était un vendeur de bois, un officier qui avait fait la guerre. Il s'était rendu en Grèce pour la guerre. Il s'était retrouvé en prison avec Guareschi. Il est revenu avec une idée politique bien précise et voilà son histoire. Après, il a tout perdu. Alors qu'il voulait changer la donne, il voulait faire quelque chose, mais par la suite, il a décidé de vivre à bord des trains. Il m'a raconté des épisodes de sa vie. Moi, je ne l'ai pas filmé, mais une fois retourné à Rome, j'en ai parlé avec un ami et le lendemain, je suis reparti pour le revoir. Je crois que je l'ai rencontré à nouveau sur un train qui allait de Naples à Bolzano et c'est ainsi qu'a vu le jour une amitié. Après, j'ai gagné sa confiance et je me souviens que je voyageais même tout seul. Nous avions de toutes petites machines et caméras pour tourner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner avec des documentaires. Et j'ai aussi appris à monter ma caméra. Et souvent, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'imprévus. Il n'est pas possible de tout prévoir à l'avance. Après, il y a une espèce de transposition dans le film. Cela se passe également dans la réalité. Donc, il n'y a pas de relation entre l'écriture et un film. Je sais que c'est une position assez extrême, mais c'est un travail constant que l'on mène lorsqu'on est réalisateur. Une scène se termine au moment même où on a terminé de la tourner.
la réalisation de ces scènes nous donne tout de même la possibilité de les changer. C'est intéressant ce que tu dis, car étant donné le contexte dans lequel le film a été tourné, nous savons très bien qu'aujourd'hui, pour faire un film documentaire, il est indispensable d'avoir un scénario. C'était également le cas auparavant. Moi, j'étais toujours un grand militant des courants. J'ai toujours commencé mes films avec un petit peu d'argent et j'ai toujours eu le privilège de présenter mes produits au festival qui m'ont beaucoup aidé. Je me souviens que le premier festival auquel j'ai participé était le Libero Bizardi, qui était très connu pour les films documentaires. À l'époque, il y avait un Nick Dine, qui était un ami sociologue, qui a participé à la réalisation de Il Cantiere avec monsieur Maurizio Brauchi. Nous avons gagné le premier prix, 5 millions de lire. C'était un montant énorme. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Et c'est grâce à ce prix que je me suis dit, bon, peut-être que je peux en faire quelque chose de cet argent. 6 ans se sont écoulés depuis, mais sachez qu'au départ, je ne savais pas quoi faire. J'avais une idée de ce qu'était la fiction. Je voyais beaucoup de films, mais je ne pensais pas aux véritables films. Je me disais que c'était trop difficile de réaliser un film. J'avais une toute petite caméra, car Maurizio Brauchi avait acheté cet appareil. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner et à utiliser cette caméra. C'est comme le passage de la ligne. C'est un film que je ne pourrais plus réaliser car aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'expérience, mais je n'ai plus la même ténacité. La première fois que j'ai fugué, lorsque j'avais 15 ans, j'ai pris un train pour m'envoler. Où t'es-tu rendu avec ce train ? Demande l'intervieweuse. Donc, j'avais 15 ans, j'ai fugué et je suis partie à Paris, où je suis restée pendant un mois et demi. Je suis partie de Naples à 14 heures et j'arrivais ensuite à Gare de Lyon à Paris à 8h30 du matin. Je me souviens très bien de ce voyage. C'est le sens du film Il passaggio della linea. C'est quelque chose qui nous transporte et qui nous permet de laisser derrière nous notre passé. Lorsque tu parles de ténacité, tu dis que tu ne serais plus en mesure de réaliser ce film aujourd'hui. Mais je crois que tu es tout de même tenace et c'est quelque chose qui te caractérise. Une fois, je t'ai entendu dire que tu as besoin de réaliser ces films. Donc cet élan, en quelque sorte, est lié à la ténacité. Oui, je suis tenace, mais je ne suis pas aussi tenace qu'un jeune de 26 ans qui prend un train et qui prend des risques. Bien évidemment, je prends toujours des risques aujourd'hui, cela fait partie de la vie. Mais imaginez-vous un voyage de 24 heures sans fermer l'œil. Je crois que ce serait un peu plus improbable aujourd'hui. Aujourd'hui, on recherche plus de confort. J'étais plus voyou à l'époque qu'aujourd'hui. Ce n'est qu'après que j'ai appris qu'il y avait des festivals. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Je me suis rendu compte que le cinéma existait lorsque j'ai reçu un prix à la Berlinale, au festival de Berlin, pour La Bocca del Lupo. Et j'étais triste parce que je pensais à coûter en termes de la réalisation de ce film que je présentais. Après, j'ai compris que pour réaliser un film, une caméra ne suffit nullement. On a besoin de tout un tas d'outils. À l'époque, j'étais un réalisateur en herbe. J'ai par la suite appris à être diplomatique. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris le béaba du cinéma pour pouvoir me doter de ressources
qui me permettent d'exercer cette profession. À l'époque, je pensais au cinéma, je ne pensais pas à la production, à la distribution. Avec le passage de la ligne, j'avais un budget très réduit, mais il en va de même pour La Bocca del Lupo. Il faut évidemment parfois un peu d'inconscience, je faisais les choses un peu naturellement, ça fait ma formation un peu sur le terrain, et en un certain sens j'ai fini par comprendre qu'on avait quand même des limites. Or pour moi l'imprévu est intéressant et forcément il existe, et j'ai besoin justement de pouvoir utiliser une méthode qui pourra être acquise grâce au documentaire. C'est un petit peu ce que j'ai commencé à faire. En fait, il fallait avoir un scénario, bien entendu, mais les scénarios étaient parfois complètement remaniés, alors que un documentaire n'a pas en fait la même formation. Ce qui est important, c'est peut-être d'avoir appris des choses essentielles. Maurizio, par exemple, avait une structure à l'esprit, mais aussi avait cette capacité d'adapter les choses, d'adapter le film. Et on peut peut-être avoir un décor, une certaine scénographie, un scénario, une certaine ambiance. C'est toujours un travail en toile de fond, en plus du scénario du film lui-même. Alors, comment as-tu fondé cette société Aventurosa? Eh bien, je crois que c'est par nécessité que nous avons fondé cette société, cette association. J'étais aussi, en fait, producteur par nécessité, car personne ne m'a offert un financement. Donc, sans budget, ayant appris à faire du cinéma tout seul, j'ai continué sur ma lancée. Bien sûr, il faut parfois faire confiance à certaines personnes, mais il faut aussi compter sur soi. Et les producteurs, à l'époque, étaient très onéreux. Or, je crois que la première fois que j'ai fait un film en France, j'ai eu d'autres conditions. Et néanmoins, c'était aussi la première fois peut-être que j'ai fait un film avec quelqu'un à mes côtés, avec un véritable producteur. Effectivement, on peut considérer qu'en Italie, il y a d'autres producteurs, mais il y avait aussi peut-être d'autres façons de procéder à l'époque. Et moi, j'arrivais avec mon film déjà complètement réalisé dans mon sac, dans ma besace. Par conséquent, le premier financement que j'ai pu obtenir, c'est quand j'ai eu ce succès à la Berlinade. J'ai obtenu un financement. Et il y a aussi des artistes de la radio italienne, de la RAI, qui ont travaillé avec moi. Mais je crois que jusqu'au film Bella et Perduta, j'ai travaillé en solitaire, de façon isolée. Je n'ai jamais fait un scénario, un pitch, comme on dit aujourd'hui. Je n'en serais même pas capable, finalement. Et tout cela parce que, par nécessité, j'ai dû finalement travailler dans tous les secteurs. L'expérience réalisée aux dames a été très fructueuse. Et je dois dire que la pellicule, le développement, tous les produits chimiques, tous les décors, une chambre obscure, tout cela, j'ai pu le préparer moi-même. Et si je fais un film, eh bien, je sens la situation, je sens l'ambiance, et par conséquent, il faut miser sur une forme qui est la mienne. J'aime avoir le contrôle des choses. C'est ainsi que j'ai travaillé, c'est ainsi que je me suis habituée à réaliser mes films. C'est un, en quelque sorte, un élan de passion qui m'anime. J'ai su comment développer la pellicule, comment préparer un film jusqu'au niveau de la production. Bon, effectivement, pour ce qui est du scénario, de l'écriture, je suis moins douée. Je suis plutôt un artisan et moins un artiste. Je suis curieux de tout, fasciné par tout. C'est ainsi que je fonctionne. Alors, dans Il passaggio della linea, dans ce film, on a vu comment, finalement, on apprend, en fait, à prendre une voiture, à voyager. Est-ce qu'il faut peut-être
tout filmer dans un premier temps et ensuite choisir. Non, le montage, finalement, est peut-être dans un deuxième temps. C'est l'écriture, c'est le montage, c'est l'écriture elle-même qui est peut-être la partie qui te donne le plus d'adrénaline. Dans le film, le passage de la linéaire, j'avais déjà en fait fait d'autres expériences dans Il Cantiere, dans la baraque. J'avais déjà essayé de faire du montage. Donc peu à peu après ces courts-métrages, j'ai pu utiliser mon expérience pour les longs-métrages. Pour le Cantiere, par exemple, je dois dire que j'ai pu effectivement, avec Alexandre Abati, essayer de travailler. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? En fait, lorsqu'il faut commencer à apprendre les choses, il faut mettre les nez dans des livres, dans des manuels. La même chose pour la pellicule elle-même. Quand tu commences avec une pellicule numérique, tout est différent. Et par conséquent, j'ai dû apprendre à faire ce que je fais aujourd'hui encore, un peu de moi-même, en individuel, comme le font les artisans eux-mêmes. Mais je suis toujours passionnée par le travail manuel, par le travail artisanal. Avec mes parents, avec mon père, c'est ainsi que j'ai fonctionné. Sergio m'a appelé à faire le maréchal ferrant, l'autre l'électricien. J'ai eu la chance finalement de savoir travailler avec mes mains et d'avoir envie d'apprendre tout ce qui touche à la technique. Mais, par exemple, je ne suis pas un chef pour ce qui est du montage approprié. Il faut que je m'en remette à des techniciens. Il faut que j'essaie de voir s'il y a des gens plus compétents que moi. Je ne suis pas un metteur en scène à proprement parler, comme on pourrait le concevoir aujourd'hui. Je n'arrive pas à me mettre dans la peau d'un véritable metteur en scène. Je fonctionne par intuition, par spontanéité. Évidemment, je peux faire un cadrage ou je peux essayer de prévoir un décor, une ambiance, mais en général, pour le film, en fait, il n'y a pas vraiment des problèmes que je me pose au préalable, pas du tout. Je réagis en fonction des situations. Et je crois qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a des choses très bien, très intéressantes qui pourraient découler tout simplement de la photographie. C'est l'ABC, la photographie. Je crois que c'est quelque chose qui nous plaît toujours, qui est beau en soi. Le documentaire, par exemple, qui est riche de contenu, peut être une bonne école. C'est l'instrument du cinéma. Effectivement, si on fait la tournée des festivals, on va nous demander quel est le contenu de tel ou tel film, le rôle de tel ou tel personnage. Mais ce n'est peut-être pas, en fait, ce qui me pousserait moi-même à continuer dans cette voie. Le documentaire, c'est un petit peu ce qui m'a inspiré, ce qui m'a fait essayer de voir comment en fait les peintres prévoyaient leur composition, le jeu de la lumière. Alors on voit que peu à peu on peut peut-être s'inspirer de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, tout est lié finalement. Et puis on peut considérer que c'est un petit peu ces inspirations que nous essayons de tirer de ces différentes expériences qui peuvent nous pousser en avant. Bien, essayons de voir maintenant ce que l'on pourrait dire de Bella et Perduta et puis aussi du passage de la linéa. Et puis il y a aussi la Bocca del Lupo qui a été couronnée par un prix. Ce sont autant de prix qui montrent à quel point la reconnaissance a été accordée. Et le passage de la linéa a été fait avec une amie très chère qui a commencé avec moi et qui m'a aidé à tourner ce film. C'était elle qui était en fait le chef de la photographie. Nous avons voyagé individuellement et ensemble et on peut considérer qu'il y a là un budget peut-être suffisamment intéressant. Pour la Bocca del Lupo, eh bien, je dois dire qu'après avoir vu le premier film, le passage de la linéa, mes collègues m'ont dit effectivement on pourrait peut-être essayer d'avoir un budget un peu plus solide, 50 000 euros. Alors, un extrait de La Bocca del Lupo que nous regardons ensemble. Qui s'imbarcarono
sud. Guidati dall'eroe dei due mondi che provò a fare un paese. Nell'ostinata leggenda di cenere, sangue e sogni corrotti. Non sappiamo chi tra mille è più tornato. Percorrendo a ritroso un mare che accoglie e trascina uomini e ombre del nostro tempo. I nuovi abitanti delle caverne non sono pescatori, né sedentari. Sono uomini che trasmigrano. Non conosciamo la loro storia. Sappiamo che hanno scelto, trovato questo luogo, e non altri, per sentirsi al riparo, a ridosso di una strada che diventa città, all'ombra di chi riposa e chi veglia. Come antiche figure, tra le mille altre che riempiono i luoghi dei nostri ricordi e delle nostre memorie sfocate. Forse è dal mare che provengono, come naufraghi abbandonati. Lì, i loro corpi, sulla soglia delle nostre avventure. Questo è l'inizio della Bocca del Lupo. Ça c'est le début du film La Bocca del Lupo. Poi penso che sia stato quello che il primo film che è stato. C'est peut-être le premier film qui a été largement visionné même à l'étranger. Puoi parlarci dell'inizio del progetto? Allora, alors, qu'en est-il du début de ce projet? On a déjà vu ces images. En fait, autour de Gênes, qui concerne le départ de Garibaldi, et donc cela nous ramène à l'unification de l'Italie. Et puis, cela nous rappelle aussi il passaggio della linea, une Italie qui est très attachée, comme avec du scotch, avec le train, avec le réseau ferroviaire. La Bocca del Lupo va peut-être ailleurs, dans une autre direction. Peux-tu nous parler de ce début du film de La Bocca del Lupo qui prend un nouveau départ? Les grottes montrent un petit peu qu'il y a un départ possible autour d'une ville comme Gênes, et ces grottes ont été découverte avec tout ce que cela pouvait signifier de la vie des cavernes. On peut considérer que il y a là autour de Gênes une vie, une relation avec la mer différente de ce que l'on trouve à Naples. C'est ainsi que le film a démarré. J'avais envie de raconter l'histoire avec un grand H par rapport à la petite histoire ou simultanément à cette dernière.
et on a découvert les habitants des cavernes qui étaient là et qui ont voulu partir, s'éloigner, faire des découvertes. C'était symbolique. Moi, j'ai toujours finalement parlé de l'Italie, de son histoire dans mes films. Car moi aussi, je suis amoureux de mon pays. Pas des Italiens eux-mêmes, mais de l'Italie, de ses paysages extraordinaires. Et pour moi, on peut dire que tout ce qui est dans les archives est très riche. Et Gênes fait partie de notre histoire. J'étais fascinée, c'était finalement la mémoire de mon père qui était rattaché à Gênes, car mon père est de cette région, justement. Et j'ai compris, par conséquent, qu'il fallait que je continue avec Enzo pour trouver peut-être ma voie dans cette direction. Au départ, je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'ai commencé un petit peu par hasard, et ce fut une expérience formidable, incroyable. Et finalement, j'ai mis beaucoup de temps pour faire ce film. J'avais 27 ans, c'était le premier montage que je souhaitais réaliser de façon très précise. Et effectivement, ce film, La Bocca del Lupo, a été projeté pendant très longtemps. C'est peut-être banal de dire, mais c'est pour la première fois finalement que j'ai eu un budget, un prix qui m'a été accordé grâce à ce couronnement. Je n'avais rien et il y a eu des articles qui m'ont été consacrés. On m'a appelé partout, Marcello, est-ce que tu peux venir nous voir, nous parler? C'est un petit peu la rançon de la gloire. Et je dois dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon cinéma parlait aux autres et pouvait aller plus loin encore. Évidemment, dans cette première scène, on trouve une investigation dans ces archives. Est-ce que c'est encore d'actualité? Les archives apportent une richesse, une dimension supplémentaire et nous fait voyager peut-être plus loin encore, même dans le temps. Et comment ce travail a-t-il commencé sur ces archives qui deviendront effectivement une sorte de réflexe systématique, même si cela peut paraître évident et normal? Mais on peut dire que c'est peut-être une nouvelle voie qui était empruntée, qui était suivie. Et on peut, en fait, grâce à ces archives, englober une centaine d'années de l'histoire italienne. Comment envisager ce rapport entre le récit et les archives? Je crois que tout ce qui a été fait, finalement, renvoie à l'histoire, même dans le film Martin Eden. Tout cela nous ramène à l'histoire avec un grand H. Et c'est un véritable défi qui nous est lancé de raconter l'histoire avec un grand H dans une ville donnée, en nous penchant également sur les petites anecdotes de la vie quotidienne, le déroulement normal des habitants. Voilà ce que nous pouvions filmer dans le cadre de Gênes. Les archives et la ville de Gênes, en fait, nous ramènent à une communauté de la ville. C'était peut-être un élément matériel intéressant, mais qui nous apportait une autre dimension. Il fallait bien commencer quelque part. Et donc, nous avons commencé par utiliser les archives. Cela a supposé un travail considérable, un travail de recherche, d'information pour savoir comment ancrer notre travail et notre film. C'est quelque chose qui m'a fait grandir d'ailleurs. Et je reste même pour les autres collaborateurs. Nous avons vu que c'est un enrichissement indéniable, ce travail avec les archives. Ce travail a été réalisé finalement avec un tout petit budget, 50 000 euros. Nous avons pu finalement aboutir un véritable succès, avec une véritable réalisation personnelle, puisque ces films, La Bocca del Lupo, par exemple, a obtenu un prix à la Berlinade, à Berlin donc, et à Turin également. Je crois qu'on aime tous dans ce film certains
certains passages où on est dans la mer, chacun a des réactions différentes. Chacun réagit à tel ou tel aspect du film ou de ses différentes séquences en fonction de sa propre personnalité. C'est un film qui part du cœur, très bien. Mais quel est le rapport avec les films? Est-ce que tu le mets dans un tiroir? Est-ce que tu l'oublies? Bon, je peux dire finalement que même avec Martin Eden, eh bien, c'est quelque chose qui m'accompagne comme la Bocca del Lupo. De façon paradoxale, je crois plutôt dans une œuvre inachevée que plutôt dans une œuvre complète. On est très fanatique, très enthousiaste quand on procède au montage d'un film, à sa réalisation. Mais finalement, on n'a jamais fini. Et j'ai d'autres films que je porte en moi. Je ne les regarde plus de façon visuelle, mais je les ressens, je les porte en moi. Je les vis en moi. C'est un autre aspect, une autre dimension du cinéma. Je crois dans un cinéma qui pourrait être imparfait, qui pourrait être inachevé. J'aime le cinéma de tout mon cœur. Et parfois, je fais des erreurs. On peut faire des erreurs. Et on en fait tous. Je porte en moi des scènes du film. Je ne regarde pas le film dans toute son intégralité, dans son ensemble. Et parfois, il y a des choses un peu désarticulées. C'est vrai. Qui me frappe. Je sens parfois la fatigue qui m'envahissait, le désir, la passion, et même l'idée de vouloir être sincère, original. Je n'aime pas une logistique nette et tranchée pour les modèles, mais une inspiration de tous les instants. Voilà. Bresson dit, il faut avoir des modèles, des méthodes appropriées. Très bien, mais elles sont multiples, ces possibilités de méthodes d'enseignement. Et c'est sans doute vrai que certains metteurs en scène, je ne sais pas, en Belgique, en France, peuvent avoir différents paramètres. On peut s'inspirer des reportages, par exemple. Mais il y a finalement différentes méthodes qui peuvent être utilisées. Et moi-même, je ne suis pas très sectaire, je ne suis pas enfermé dans un format, un système particulier. Je ressens les choses dans mon fort intérieur. Et finalement, si tu regardes un film de Fellini, on sent la patte de Fellini. C'est évident. Un film français, c'est la même chose. On peut deviner qui est son metteur en scène parce qu'il y a quelque chose qui lui est propre au metteur en scène. Pasolini, peut-être on ne le reconnaît pas dans certains films. Il y a peut-être des couleurs qui peuvent nous mettre sur la voie. Mais il y a aussi parfois des espaces blancs, des espaces vides. Et Benny, par exemple, René aussi. Enfin, on reconnaît certains grands metteurs en scène. Et je crois qu'il est important de ne pas avoir un modèle précis. C'est essentiel lorsque l'on veut se lancer dans le cinéma. Il faut s'écouter. Moi, c'est quelque chose peut-être qui est venu en faisant les films, ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu portais en toi dès le début? Est-ce que ce fut là ta conclusion première, ne pas avoir de modèle, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, qui a mûri en toi? Il est difficile finalement de juger de mon travail, de ce que je fais. Bon, on peut tenter telle ou telle méthode, on peut être pragmatique, on peut se tromper, tout est possible. Et finalement, on peut aussi s'inspirer des films que l'on regarde, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu énormément de films quand j'étais jeune, je me suis inspirée de l'expérience, peut-être des autres metteurs en scène, mais je n'ai jamais eu une structure bien réglée, bien nette. Certains me disaient, comment tu vas faire des films? Tu n'as pas l'expérience, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. On m'a évidemment découragé. Mais finalement, je pense que, comme j'étais un peu une tête dure, une tête brûlée, je n'écoutais pas ce que l'on me disait. Et je poursuivais ma voie. Et finalement, je m'en remettais à mes intuitions, à mes désirs propres.
peut-être en m'inspirant de façon collective d'autres suggestions. Mais dans le fond, je crois que c'est vrai qu'il faut toujours faire des expériences. C'est inévitable, c'est une voie incontournable si l'on veut avancer. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en regardant d'autres films à faire du cinéma. Bon, je n'ai pas été vraiment influencé par d'autres. Je regarde avec plaisir certains films sans pour autant me laisser influencer. Mais il est important de les voir, même à certains moments particuliers de la journée ou de mon existence. Je crois que mon école, à moi, ça a été de regarder les films des autres. Et puis, après la photographie, je suis passée au montage, après à la scénographie. Effectivement, j'ai lu des livres, des manuels, des maîtres, mais cela n'a pas été finalement peut-être une influence déterminante. Au début, c'est vrai, j'avais un petit manuel technique qui m'expliquait les champs visuels qu'il fallait respecter. J'ai essayé lorsque j'ai fait le film Il Cantiere, mais j'ai commencé par les documentaires et c'était quelque chose qui finalement se révélait une très bonne école. Maintenant, il faut un producteur, il faut un maître, un directeur de la photographie. C'est très compliqué, c'est très lourd. Moi, j'ai commencé de façon spontanée. Et voilà, c'était ma manière à moi. Il faut évidemment quelque chose de structurel, certainement, mais moi j'ai commencé un peu par l'imprévu. Et j'aime affronter l'imprévu. Je crois que c'est une bonne école également. Bien, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à Pietro dans la salle? Sinon, io che sono uguale un po' a tutti gli altri, volevo far vedere la scena del bar. Sinon, j'aimerais vous faire voir une scène dans le bar de la Bocca del Lupo. Audio, lei non viene per fuori. La turbo. Una burba? La turbo. Ah, ho capito burba, mi chiedo burba, è whisky. Una turba.
il biglietto non vale anch'io. Non mi piace. Sono sorda. La mia c'è una bottiglia di sciampo, che ti faccio una sciampetta. Non toccare, mettili. Ti faccio uno sciampo. No, lo sciampo tu faccio io te, cazzo in volo, lo faccio un sciampo. Con l'ombra in una sacca. Il gioco del jukebox. Rilassata. Tu batti il disco e il gioco del jukebox. Vedi rilassata. Tu batti e tu mi dici cosa vuoi sentire. Così così, eh. E io mi esibisco. E canto. E che cazzo canti tu? Canto. Allora, se non canti, anche. Io canto. Non come te, io canto. Le mani da aspetta. Per chi non mi ascolterà, voglio cantare, sempre cantare. Tu vuoi bravo, che pausi di Riccardo Cocciante. Brava. Ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, qui sont ouais. Si fai le corna davanti agli occhi, prima stavi con me, ora fai lo scemo con quella là. Ricoverare? Non ti perdono questa, eh. Io credevo che mi amavi. Enzo è il protagonista del film. Enzo è il protagonista del film. Una fisionomia incredibile, sembra. Il ha una fisionomia assez particulière, on dit qu'il est sorti tout droit d'un film policier des années 70. Comment as-tu trouvé ce personnage, Enzo? Comment je l'ai rencontré, tu veux dire? Oui. Alors, je l'ai rencontré parce que j'habitais tout près du port de Gênes. J'étais à l'affût d'histoire. Je dois dire que nous n'avons pas trouvé un beau tissu social. C'était un quartier peuplé par pas mal de migrants qui a beaucoup changé au fil des ans. Enzo, je l'ai rencontré là-bas. Je connaissais le boulanger et il m'a tout de suite montré les trous qu'il avait dans sa peau à cause des impacts de balles. Enzo était représentatif d'une base prolétaire qui avait disparu avec le temps. C'est ainsi que nous avons commencé à se voir. La situation était assez tragicomique. Il y avait peu de choses à contrôler, je dirais. C'est le sujet atypique qui me plaît. Souvent, il suffit de savoir observer et de savoir attendre lorsqu'on réalise des films. Parfois, lorsqu'on dirige, ça n'arrive à rien. On dit parfois qu'il faut aller à droite, alors qu'on se rend compte que l'acteur va aller à gauche. Donc, ça n'arrive pas à grand-chose.
Il y avait de la musique, il y avait un jukebox des années 60, 80. Et nous voyons ces deux personnages qui dansent sur ce fond musical dans cette scène. Nous avons réussi à rassembler des personnages, mais il y avait une direction, on ne savait pas où est-ce que cela allait nous amener. Je n'aime pas raconter des histoires. Moi, j'aime bien être présent, savoir attendre. C'est ce que j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé par mon premier ouvrage, Il Cantiere. Mon cinéma est fait d'observation. C'est la magie. La magie qui nous amène à faire du cinéma. Malheureusement, le son est très mauvais. Les interprètes font ce qu'elles peuvent, mais le son est très, très, très mauvais. Désolé. On se tournait à droite, à gauche. On regardait les différentes prises de vue et c'est comme ça que nous avons tout appris. Ce sont des talents innés que nous avons là, comme les acteurs de l'après-guerre. Ce personnage, Enzo, contenait une histoire. C'était un acteur manqué. Il fallait le rencontrer à 12 ans ou à 20 ans et il fallait vraiment qu'il soit acteur. Après, malheureusement, les choses ont mal tourné pour lui. Au lieu de devenir acteur, il est devenu bandit. Ce que tu dis est intéressant, car dans cette scène, nous voyons beaucoup de tensions jusqu'à un moment donné, un moment de libération, lorsque Gainsbourg commence à chanter, et on a l'impression qu'ils vont presque en arriver aux mains. Oui, lui, il s'en va avec elle. Et tout cela, après, arrive sur le plateau. Il est parti, donc, oui. Après, je peux tolérer. Moi, ça m'agace un peu quand on me dit ce qu'il faut faire. Mais après, il est parti. Il est parti avec la femme. Il n'y a aucune manipulation dans cette scène et dans ce personnage. Nous l'avons construit tel quel. Nous avons passé beaucoup de temps à le faire. Et après, je l'ai revu le lendemain. Il était parti avec son trousseau de clés dans la main. Et voilà. Parfois, nous pensons que nous pouvons nous décider, mais nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons donc besoin d'un plan B. Parfois, il faut écouter les autres. Et je crois qu'il faut manier ce que nous avons. Il faut être habitué aux imprévus. Il faut être prêt à changer, à tourner son regard ailleurs. Le fait de s'habituer aux imprévus, c'est quelque chose que tu as appris ou quelque chose que tu avais déjà en toi? Non, c'est quelque chose que j'ai appris chemin faisant. Tu as beau essayer d'écrire un canevas pour un documentaire, mais il y aura toujours des imprévus. Au lieu de rencontrer telle personne, tu vas en rencontrer une autre. Et après, il faudra un plan B. Il faut réussir à s'adapter. Voilà ce qu'est le cinéma pour moi. Je ne me pose pas la question de comment filmer.
Le problème est plutôt un problème de méthode. Comment faire face à aux situations? Malheureusement, il y a beaucoup d'échos dans la restitution de monsieur Pietro Marcello. L'interprétation est vraiment très difficile. Il montage in macchina è quello, perché è inevitabile, perché poi quando torni a casa ti serve il dettaglio, il primo piano, i totali per montare il film. E questo è stato molto importante per me, molto molto importante, riuscire a montare in macchina, imparare a montare in macchina. E poi io non sono di quelli che girano e poi montano, io ho bisogno di montare fin dall'inizio, perché è anche il montaggio nel documentario che mi porta a qualche parte. Cioè è lì che faccio la vera scrittura del film. C'est là che je vais écrire mon premier film. Nel montaggio, in particolar modo questo per i documentari, per la finzione. C'est ce qui se passe dans le montage. È una costruzione scenica, filmica, funzionale. Nel documentario no. O perlomeno. Le documentaire est différent. Non posso parlare degli altri, perché ciascuno. Je ne peux pas parler des autres. Car chacun a sa méthode pour réaliser un film. Mais ma méthode, certainement, est beaucoup plus proche de celle du réalisateur Rosy. Moi, je tourne, j'aime bien tourner. Et étant derrière la caméra, j'ai plus de maîtrise. Je peux mieux contrôler. Les acteurs se sentent plus en confiance. L'écran, pour moi, enfin, c'est un ennui, ça m'ennuie profondément. Lorsque tu as filmé Pélechian chez lui, tu t'es rendu chez lui, c'était toi donc dans la voiture. Comment ça s'est passé? Comment, qu'est-ce que tu as ressenti le fait d'avoir une caméra dans la main devant le maestro? Moi, j'aime beaucoup ces caméras, j'en ai deux. Aujourd'hui, personne n'aime les utiliser, elles sont toutes petites, elles pèsent 2 kg. Personne n'aime s'en servir. On ne peut tourner que 6 minutes à la fois. Je m'en suis toujours servi dans mes films de ces caméras. Le problème, c'est que personne n'en veut. Aujourd'hui, c'est un véritable cauchemar. Ce sont des caméras toutes petites qui ont été très utiles pour tourner tous mes films. Je voyais défiler les soldats, la police pendant ce voyage. Pour ce qui est de Pélechian, j'étais au service de ce réalisateur. J'étais un grand admirateur et connaisseur du cinéma soviétique. Et c'est ce qui m'a amené chez le réalisateur Pélechian. J'ai commencé à travailler avec Stefano Francia, avec qui j'ai produit 2 films. J'ai commencé avec Enrico Ghezzi aussi, donc nous étions 3. Nous avons réalisé ce film en 30 jours. Mais là, il y avait peu de choses à faire. Mais les Pélechian étaient le grand maître. Moi, je n'avais qu'à lui emboîter le poids. Pélechian, pour moi, est comme un examen que l'on passe à l'école. Après, j'ai fait une version plus courte de ce film et j'ai continué à étudier avec pas mal d'autres personnes. J'ai étudié la technique du contrepoint, dont Pélechian est le grand représentant. Le film sur Pélechian, les films de Pélechian sont riches en apprentissage pour moi. On apprend énormément et le fait de filmer avec lui m'a beaucoup appris. J'ai acquis pas mal d'expérience. Mais c'est un film qui n'a jamais été présenté à des compétitions. Je n'ai jamais voulu le présenter. C'est un film qui doit accompagner les films de Pélechian, si nécessaire. Guardiamo un pezzo. Je voudrais passer l'extrait numéro 5 d'abord.
вовсе предстает божественной музой. Своеобразным переходом от страны советской к России современной стала метафоричная птица Марата Бабина. Allora, la prima scena è abbastanza Alors, cette première scène impressionante. Est assez impressionnante. Ma un po' perché c'è una sorta di intimità, no, in questo soggiorno con una televisione accesa e lo zapping e poi partiamo su una grandiosità incredibile. E après tout devient grandiose. La musica e questa immagine incredibile di pecore che scendono. Quando eri nel soggiorno con Pelescian, come hai lavorato a questa scena? Lo dirigevi andando nel suo modo di camminare, di guardare? Est-ce que tu dirigeais sa façon de regarder, sa façon de bouger? Mon souvenir de Pelescian est qu'il passait ses journées chez lui comme un archange,
comme quelqu'un en cage. Pelléchian souffrait beaucoup. Son cinéma est représenté par 160 minutes de cinéma. Il a beaucoup souffert. Ce réalisateur, il s'est heurté à beaucoup de contraintes. Il n'a pas été facile de réaliser des films pour ce cinéaste. C'était un jeune Arménien atterri à Moscou. Il n'était pas issu de la nomenclature, il n'était pas issu d'élite. Pour lui, il a été très difficile de réaliser ses films. Il a commencé après les années 90. Lorsque moi je l'ai rencontré, il était encore une espèce d'archange dans une époque hybridée. En effet, pour moi, Pelléchian a beaucoup souffert. Et souvent, on ne parle pas de cela. On n'en parle pas, mais il y a beaucoup d'histoires qui se cachent derrière cette réalité. Il aurait pu produire davantage de films. Il a eu beaucoup de talent. Donc, Pelléchian a gagné une certaine célébrité, surtout car il a créé le montage à distance. Il y avait déjà une école où il y avait une excellente réalisatrice, Alina Nabukova, qui a été la première à s'essayer dans cette technique avec d'autres réalisateurs, tels un certain Rossellini russe. Nous avons eu Klimov et d'autres aussi qui l'ont suivi. Donc Pelléchian a gagné ses lettres de noblesse grâce au montage à distance. Après, s'en sont suivis d'autres films. Quand est-ce que tu as découvert ceci dans ta production? J'ai rencontré Pelléchian après le film Il passaggio della linea. Je l'ai rencontré pour la première fois à ce moment-là. Et après, grâce à Enrico Ghezzi et à Stefano Francia, qui connaissaient ma passion pour le film soviétique, j'ai eu de l'aide. Je me suis rendue à Moscou. J'ai effectué des recherches dans des archives. Grâce à cela, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et j'ai beaucoup étudié le film soviétique qui m'a toujours fasciné. Cela m'a permis de connaître beaucoup de choses. Tu as remonté un film maintenant? Non, Sarah Afgai, ma montatrice, en a fait une nouvelle production. J'ai compris que ma voix n'était pas nécessaire. À l'époque, c'était juste un élément didactique, donc c'était juste une version réduite. Il y a une fois, je crois, dans Bella Perduta, où on entend ta voix lorsque tu t'adresses à Tommaso avec une question. Oui, dans ce film, on a un conte de fées, si l'on veut. Moi, j'aimais bien la possibilité d'utiliser davantage d'outils. Beaucoup de choses ont changé depuis la mort de Tommaso. Ce film devait être un voyage à travers l'Italie. Après, nous avons décidé de nous cantonner à la campagne. Je ne te vois plus. Je ne vois que mon image. Maintenant, est-ce que tu nous vois? Non, je ne vous vois plus. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Il vécu lui-même. Tu vois bien? Maintenant, je te vois, dit Pietro. Parce que regarder moi-même, ce n'est pas très intéressant. Hein. Mais bon, maintenant, il y a une meilleure prise de vue.
Moi, j'aime bien filmer, mais je n'aime pas être filmée. Allora, facciamo vedere l'extrait numéro 7, c'est Bella e Perduta. Maintenant, l'extrait numéro 7, Bella e Perduta, qui concerne le fait de filmer les autres. Ormai la mia storia volge al termine. Il senso è forse dato. O forse no. Ma non importa. Amare la vita è quello che davvero conta. Malgrado tutto, sono orgoglioso di essere un bufalo. In un mondo che ci nega l'anima, essere un bufalo è un'arte. Che ridicola convinzione hanno gli uomini. Essere gli unici ad avere un'anima in questo immenso universo. Ma sono certo che su altri pianeti, lì dove andrò, la pensano diversamente su di noi. Thank you.
È bellissimo, ogni volta che lo vedo ho le lacrime agli occhi. C'est magnifique, les larmes me montent aux yeux chaque fois que je regarde ces photos. En tant qu'italienne qui a quitté l'Italie, j'ai l'impression que ces images sont magnifiques, celles qui ont été tournées depuis très longtemps déjà, depuis de nombreuses années dans mon pays. Alors quel est le lien qui t'attache à cette terre? Est-ce que tout cela t'est très proche? Oui, bien sûr. Je suis arrivée tout petit dans cette région. C'était une zone, finalement, où il y avait effectivement beaucoup d'animaux, beaucoup de tombes également. Et on peut considérer que tout ce qui était là, finalement, méritait toute notre attention. Et je parcourais ces terres avec ma petite bicyclette. En regardant cette séquence, je retrouve beaucoup de choses. Je me souviens que finalement, on avait plus de pellicule, on a dû tourner et tourner pour tenter d'en retrouver. Effectivement, c'est très beau de revoir ces images de campagne. Lorsque j'ai filmé Sergio Bitolo devait filmer le bétail, et c'était absurde en fait, parce que en fait le buffle est un animal très paisible, et finalement je me suis dit que quand il fallait en fait faire entrer le buffle dans le camion, c'était très difficile. Il fallait peut-être imaginer tout ce que l'animal pouvait ressentir. Et normalement, je voulais toujours superviser, peut-être essayer de faire des reprises de cette scène. Or, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, nous avons peut-être pour la première fois filmé justement ces animaux avec peut-être un grand réalisateur. Voilà ce que raconte ce film. Et ce qui me manque finalement le plus, c'est la brume le matin, qui finalement est une caractéristique de la campagne. Et effectivement, c'est un paysage qui me manque, qui finalement devrait pouvoir m'accompagner encore dans mon souvenir de la campagne, de ma terre d'enfance. Effectivement, tout cela pourrait être vu autrement, mais moi je le ressens à ma façon, à moi. C'est un territoire extraordinaire, la campagne. C'est une terre très riche également qui a été bafouée, violée, surexploitée, mais l'homme finalement finit par mourir dans cette terre qui peut-être ne lui donne pas tout ce qu'il veut. C'est un lien extrêmement fort qui peut nous unir. Et je dois dire effectivement que toutes ces étendues, en fait, vont jusqu'à la mer. C'est une étendue de campagne immense, et cette terre me manque cruellement. En regardant encore ces images, je pense finalement à tout ce que l'on a pu faire d'absurde. On a pu faire des bêtises de gamins. Et effectivement, on ne peut pas peut-être dans une pellicule revoir et retrouver ce que l'on éprouvait soi-même. Enfin, normalement, c'est le metteur en scène qui doit savoir comment utiliser telle ou telle méthode, tel ou tel système. Mais nous, on faisait à notre façon à nous. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose qui peut comporter des risques, qui peut entraîner des erreurs. Mais effectivement, on doit vivre avec le risque. Et ce film, en fait, dit beaucoup de moi. On avait très peu d'argent, on souhaitait continuer à tourner, même s'il y a eu pas mal de difficultés. Ce fut une grande expérience pour moi. Et je dirais aussi que tout ce qui était fait avec mes collaborateurs, finalement, a permis d'arriver à ce résultat, alors qu'il n'y avait peut-être pas au départ tous les éléments voulus. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que peut-être là,
public attendait que je prenne des risques. La fin de Pulcinella a aussi été tournée de cette façon. Non, là, on avait d'autres acquisitions. On s'était déjà trompé et on avait essayé d'être plus raisonnable. On avait une cinquantaine de têtes de bétail et c'est avec tout ce bétail que nous avons pu finalement tourner les scènes extérieures. En fait, la pellicule, finalement, avait été souillée. En fait, elle était, si je puis dire, non utilisable, malheureusement. Donc, il a fallu faire avec d'autres moyens. Et tout était plus ou moins ingérable. Et on n'a pas pu utiliser cette pellicule. Mais, de façon magique, on a voulu quand même poursuivre. Pour faire notre cinéma. Ma quindi questa immagine, ces images, quando questa la come dici tu la grana dell'immagine con la pellicola scaduta. Et ce grain dans l'image, comment l'as-tu réussi? Eh bien, je dois dire que la pellicule m'a toujours intéressé. Déjà tout petit, tout jeune, j'ai essayé avec différents moyens de recolorer les pellicules, de les modifier, de les superposer. J'étais intéressé par tout ce jeu de vision, peut-être avec l'aide de certains éléments chimiques. Effectivement, c'est ainsi que j'ai voulu retravailler ces images. Et puis, avec le silence de Pelechan également, finalement, j'ai essayé d'acheter une autre caméra plus petite qui m'a permis peut-être d'être plus souple, d'être plus libre dans mes agissements. Même dans le film de Bella et Perduta, vous avez en fait cette machine qui est utilisée avec le buffle et je l'ai modifiée, elle était automatique et finalement je l'ai utilisée de façon manuelle pour pouvoir mieux la maîtriser. Et ensuite, il a fallu que je fasse le montage, que j'y revienne, que je me reprenne à plusieurs fois. Lorsque je réalisais le film La Bocca del Lupo, eh bien, j'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup d'éléments qui devaient être pris en compte sur le plan technique, même si c'était des éléments tout à fait rudimentaires, ceux que j'ai utilisés. C'est une sorte de télécinéma. Mais je m'en suis contenté. Come on dit, nécessité fait loi. Che, aspetta, ti traduco in italiano. Une question qui a été posée, allora, che je vais traduire en italien. A Pietro Marcello di parlare un po' quello che chiede al suo pubblico. Pietro Marcello pourrait nous dire ce qu'il attend de son public. Est-ce qu'il y a un pacte qui doit être accepté, qui doit être passé entre le cinéma que l'on fait et son public? Dans quel sens? Je ne sais pas. Le public, c'est nous tous, moi aussi. Je suis quelqu'un qui fait partie du public. Pensons à la télévision en Italie, par exemple. C'est un pays analphabète après la guerre, l'Italie. Et l'alphabétisation s'est faite grâce à la télévision. C'est un petit peu une expérience extraordinaire. La télévision ensuite s'est transformée, elle est devenue en quelque sorte une sorte de cancer de la société. Donc le public, quel est-il très exactement? C'est là le sens de la question. Le public, il faut l'éduquer comme un enfant. Il faut qu'il reçoive un enseignement, une instruction. C'est la même chose pour un enfant que pour le public. Nous aussi, nous copions des comportements. Alors, comment filmer? Que dois-je filmer? Je me pose la question très souvent. Et si je filme quelqu'un, je crois que je dois prendre certaines précautions. C'est la même chose lorsque je fais un film. Il est important peut-être de procéder à quelques enquêtes, de sonder le terrain, de savoir comment et qui on va filmer. C'est important. Et le public, bien sûr, il va réagir. Plus le temps passe, plus je me pose des questions. Je pense qu'il faut viser à la simplicité. Bien sûr, je me livre à quelques recherches, à quelques tentatives. Je fais moi aussi des expériences. Et parfois, je m'autocritique moi-même.
Mais c'est une façon de grandir finalement. Même lorsque j'ai réalisé certains films, je pensais à des mélodrames populaires. Je me suis inspiré moi aussi d'un film que l'on ne connaît pas toujours, Mazzapone, qui était réalisé par un très grand réalisateur. Je pensais à d'éminents metteurs en scène, aux romans populaires finalement. On a une question. Il est important de laisser carte blanche aux auteurs. Il faut qu'ils soient plus libres. Ils doivent faire leurs propres expériences. Il faut qu'ils cherchent, qu'ils fassent peut-être des coups d'éclat ou même des erreurs. On apprend en créant, en faisant des tentatives. Et il faut que le public suive ce travail de cette façon. Je crois personnellement que nous sommes très responsables lorsque nous faisons du cinéma. Nous avons une lourde responsabilité. Et l'individu, effectivement, peut obtenir beaucoup en regardant un film. Le réalisateur, finalement, il vit dans le monde. Il n'est pas distancié des autres, mais nous ne sommes pas tous identiques. Bien sûr, il y a un collectif auquel on peut viser, mais nous sommes tous différents, finalement. Alors, autre question? Alors, on peut prévoir un pacte entre le public et le metteur en scène. Il faut avoir une vision peut-être plus libre lorsque l'on fait du cinéma, plus libre encore que celle dont on s'est inspiré jusqu'à maintenant. Cela permettra aussi au public de monter d'un cran dans sa liberté. J'aimerais mieux pouvoir répondre à cette question. Fabio Mancini è ancora in all'ascolto, come si dice in televisione. Est-ce que Fabio Mancini est encore à l'écoute? Et dans ce cas, il pourra nous relancer. Autre question. Qu'il a utilisé, parce que si j'ai bien compris, il a parlé de caméra Super 8 et après, quel type de caméra il a utilisé pour Bella et Perduta et puis peut-être aussi pour Martin et Dan, ça m'intéresse. Hai sentito? Vous avez compris la question? Oui. Oui, j'ai beaucoup de caméras, c'est vrai. Je suis un fanatique des caméras. Et j'utilise en général avec du 16 mm pour Bella et Perduta. Et pour Martin et Eden, j'ai utilisé une 2A minima, sans des petites caméras. Et puis la 416 aussi. J'ai toujours travaillé avec des petites caméras à réflexe, car je suis passionné par ces caméras. Une chambre obscure, par exemple, pour la pellicule. Pour Bella Perduta, j'utilise des cooks et j'avais effectivement une 416. C'était très pratique car je pouvais filmer rapidement. Je l'utilisais tout seul, donc je pouvais la porter avec moi sans avoir recours aux assistants. Il y a une autre question qui nous vient en ligne. Merci de ce masterclass. Qual è stato, come ha influenzato aver girato con Pelechan? Si vous avez tourné avec Pelechan. Il montaggio di Bella Perduta. Pour Bella Perduta, vous avez pu avoir son influence, vous avez pu profiter de son expérience dans le cas de Pelechan. J'ai été vraiment à une bonne école, car je dois dire que ce qu'il nous a présenté était très éclairant. Et je pense que j'ai été certainement influencé par ce dernier, par Pelechan. D'ailleurs, j'y ai fait référence souvent. Michael Holm, par exemple, qui a été un véritable maître pour un cinéma donné. Il a été aussi lié à ces technologies de montage à distance. Mais il s'agissait là de méthodes et non pas de modèles pour moi. Je crois que certains metteurs en scène se fondent sur une méthode bien précise, mais pour moi, ce sont les modèles qui comptent.
Il faut faire des recherches, il faut faire des expériences. Et c'est ce qui m'intéresse, peut-être contrairement à d'autres. Et quand on fait du cinéma, on n'est jamais sûr à 100%. C'est impossible. Je le disais tout à l'heure, on est toujours nourri par le doute, peut-être freiné par le doute. Il faut faire ses expériences. Effectivement, on peut fouiller dans les archives. Et en ce moment, je voudrais réaliser un voyage en Italie. Je voudrais, avec différents reporters, essayer de faire un film qui s'inspire des expériences vécues, qui voit le destin de garçons, des garçons de ces nouvelles générations. Et ce sera une sorte de film collectif. Nous ne serons que les réalisateurs, les exécutants. Mais on ne va pas miser sur l'individu. Ce n'est pas là l'objectif du film. On doit voir un ensemble, une communauté, un collectif. C'est intéressant et c'est peut-être indispensable que de pouvoir se faire le porte-parole de problèmes de la société. Il faut donc avoir un motif, un objectif. On ne peut pas, je crois, simplement se contenter de fiction. C'est un privilège que de pouvoir faire du cinéma. C'est un honneur et un privilège et il est donc important de porter des messages qui concernent les autres. Il est important de se mettre au service des autres également. Et Francesco Anish a travaillé avec moi et m'a appris énormément de choses. On a été à l'écoute des jeunes. Et c'est peut-être ce qui nous lie en quelque sorte à la télévision, qui est aussi un relais. Tu m'as parlé tout à l'heure du public qui t'a suivi et qu'il faudrait peut-être éduquer, comme c'est le cas pour d'autres strates de la société. Est-ce que on pourrait dire que lorsqu'il n'y a pas un accompagnement scolaire et lorsque l'on fait une programmation des films dans les salles, est-ce qu'on ne peut pas se demander si les spectateurs ne restent pas sur leur faim et peut-être sont cantonnés dans un type de film bien précis? Nous savons qu'il existe finalement des groupes de producteurs qui peuvent opérer sur le marché. Or, cette année, on voit que de plus en plus les gens regardent autrement le cinéma. Oui, absolument. Car on se livre à une sorte d'autocritique actuellement. Je crois notamment que nous sommes accablés d'une grande responsabilité. Il faut apprendre aujourd'hui à être différent, peut-être aussi à se différencier, à être nous-mêmes tout en sachant les responsabilités que nous devons assumer. L'époque est très particulière. On a beaucoup misé sur l'individualisme et c'est uniquement nous-mêmes qui devrons nous porter en défenseurs du cinéma, car il risque de disparaître. Je le répète, nous avons là peut-être une époque littéralement absurde, car il n'y a pas de réaction de la part du public face à la quasi-disparition des salles de cinéma. Les plateformes ne m'inspirent pas beaucoup, je n'y crois pas vraiment. Je leur fais peu confiance d'ailleurs. Et je préfère de loin peut-être travailler autrement, me mettre au service des autres, de porter leur message. Mais c'est à moi de décider ce que je choisirai. Alors, je le répète, c'est ainsi que je souhaite continuer à travailler. Il y a d'autres réalisateurs qui réfléchissent actuellement, qui essaient de voir quelle voie emprunter, car pour faire du cinéma, il faut aussi de l'argent, il faut un bon budget. Alors, je suis très heureux d'avoir pu faire de bons films avec pratiquement pas d'argent. Le système est très différent aujourd'hui. Alors, qu'en adviendra-t-il du cinéma demain? Je ne sais pas, il faudra sans doute prendre de lourdes décisions. Certains continueront à faire du cinéma d'une certaine façon, d'autres travailleront avec les plateformes, je ne sais pas. Et toi, en tant que producteur, as-tu essayé de travailler avec les plateformes? Non, pas du tout, jamais. Et j'espère que cela ne sera jamais le cas.
Bon, je peux toujours changer d'avis, bien entendu. Enfin, je crois que nous sommes responsables, tout simplement. Et il faut essayer de lutter contre la disparition du cinéma. Il y a tous les jours quelque chose qui disparaît. Il faut lutter contre ce naufrage. Le système n'a plus besoin de cinéma, finalement. Maintenant, il faut remettre sur pied l'économie. Ce sont les marchés qui feront la loi très prochainement. Alors, on verra qui continuera à travailler pour le cinéma. Mais c'est une lourde responsabilité. Tu ne penses pas qu'il faut défendre le cinéma? Oui, ces films, il faudra les faire voir. Certains s'y intéresseront, mais pas tous. Et puis certains me diront, eh bien, vous faites ce que vous voulez, vous avez peut-être besoin de tel ou tel budget, on mettra à notre service certaines plateformes, bien sûr. J'ai toujours pensé du cinéma italien, du cinéma en général, que nous avions là en quelque sorte carte blanche. Ce qui importe, ce qu'il faut assurer, c'est que le message puisse passer. Certains, effectivement, souhaitent non pas envie de prendre un voilier qui va beaucoup plus lentement, d'autres préfèrent prendre une sorte de Ferrari sur mer. Enfin, c'est un peu le destin de chacun, finalement. Mais il faut aussi se rendre compte que nous aurons peut-être beaucoup d'inconnus à régler. Il faudra en reparler, bien sûr. Pour moi, il faut laisser les choses suivre leur cours. Et chacun a sa propre vie, son propre chemin. Mais les films doivent aussi pouvoir voyager, même seuls. Même si c'est important de les suivre, de les accompagner, de les protéger. Bon, il faut savoir comment les films sont vus, comment ils sont perçus. Il y a d'autres films qui ont été oubliés dès leur apparition, dès leur projection. Tout dépend finalement de tel ou tel film qui pourrait avoir un véritable succès. Certains films ont beaucoup circulé, je pense à Martin Eden par exemple. Et d'autres, au contraire, ont une vie beaucoup plus restreinte, beaucoup plus sédentaire. Certains films vieillissent très bien, d'autres beaucoup moins. Tout est relatif. Pour Martin Eden, c'est ta production la plus importante, sans doute, en tout cas sur le plan budgétaire. Après il passage de la linéa, tu as des droits et tu as mis au point le script, c'est toi qui l'as composé. Est-ce que tu pourrais refaire toutes tes opérations toi-même pour un autre film? Oui, pourquoi pas, mais peut-être encore plus de façon plus réussie. Je crois que ce fut une véritable folie que cette entreprise. Et je sais que certains collègues, comme Martini par exemple, m'a aidé, m'a conseillé. Il y a certains films que j'ai produits avec lui. Nous avons, avec mon collègue, écrit certains scripts, certains scénarios, mais on ne peut pas toujours, en fait, s'en tenir à un modèle bien précis. Nous avons parfois des impondérables, des inspirations tout à fait inattendues. Parfois, nous pouvons procéder à des adaptations, par exemple, comme pour ce roman, Martin Eden, et nous pouvons prendre certains engagements également. En fait, on peut jouer sur certains scénarios, sur certains thèmes, sur certaines photos. Bien sûr, il faut tenir compte aussi de l'aspect économique. Il y a peut-être des scènes qui devront être supprimées parce que tout se révèle trop onéreux au début. Bon, en fait, cela a été une véritable folie que de se lancer dans ce film Martin Eden. Et puis finalement, les choses se sont bien passées. Donc, finalement, dans toutes les limites du possible, on a plutôt arrivé
à l'objectif voulu, ce fut en quelque sorte quelque chose de fou que l'on ne pourra peut-être pas refaire, car on ne peut pas être sur tous les fronts. On ne peut pas s'occuper de la technique, de la photo, du scénario, du script, du tournage. Alors, on peut peut-être s'en tenir à quelque chose de plus modeste pour éviter un naufrage. Mais il faut aussi que je remercie tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont peut-être aussi instruit sur certains aspects. Encore une question ? Question, la première, est-ce que vous pourriez revenir sur votre façon de démonter des caméras, de transformer leur mécanisme et quel risque vous prenez en travaillant au cœur même de la machine cinéma? Je trouve ça vraiment passionnant, surtout pour les écoles de cinéma. Et la deuxième question, c'est la question à propos de la folie dont vous parlez, de l'ordre et du désordre. Comment est-ce que vous naviguez entre l'ordre et le désordre, la folie et la raison, et dans quel moment vous arrivez à cerner, à captiver ou capter ce qui vous semble plus important? Est-ce que c'est en particulier au moment du montage et ou du tournage? Ok, alors, riguardo alle camere. En ce qui concerne les caméras, effectivement, je les ai ouvertes de temps à autre, mais c'est très dangereux. J'ai abîmé pas mal de matériel aussi. Mais je crois qu'il y a eu parfois des aspects modifiés. Avec la manivelle, j'ai pu, pour les 16 mm, effectivement, procéder à des modifications avec un pignon que j'ai installé et une manivelle. Donc, pour pouvoir actionner mécaniquement cette caméra. Bon, c'est un peu difficile à expliquer. Maintenant, s'agissant de l'ordre et du désordre, je suis assez pragmatique lorsqu'il s'agit d'organiser les choses. Et faire un film, c'est comme engager une armée, donc établir une stratégie pour la faire avancer. Donc, s'il y a trop de désordre, il faut mettre de l'ordre. Et s'il y a trop d'ordre, il faut un grain de folie. Il faut un peu d'imprévu. Il faut que je fasse des expériences. Et j'ai besoin de pouvoir réadapter le film, le retoucher. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà. J'espère avoir bien capté votre question et avoir répondu. Je voudrais montrer l'extrait de Martin Eden. C'est l'extrait numéro 8 aussi, poi per parlare di attori. Après, nous parlerons d'acteurs. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Cara Elena, un grave guasto al motore della nave ci ha costretto a deviare verso il porto di Genova. Qui l'armatore ha deciso di ridurre l'equipaggio e così ho interrotto il mio contratto d'imbarco. Al mio rientro a Napoli ho subito iniziato a cercare un nuovo lavoro e alla fine, grazie a Nino, un mio caro amico, ne ho trovato uno in una fonderia. Detto ciò, volevo invece informarla della mia incessante marcia nel regno della conoscenza. Leggo. Leggo come un pescatore insaziabile e annoto tutte le parole nuove che incontro. Le faccio mie amiche,
e le frequento, le ripasso e quando posso le utilizzo per i fenomeni che si mostrano nei miei occhi. Così, a scopo d'ulteriore esercizio, ho composto delle poesie che le invio con questa lettera. Non le giudichi troppo severamente. Sono solo dei giochi di parole con cui spero di renderla un po' orgogliosa del suo ora lontano discepolo. Appena sarò di ritorno, le parlerò di un'idea riguardante la mia vita futura e che si è messa a dare luce ai miei pensieri. Ti stai faticando troppo, fazzerotto mio? Eh? Qua la gente viene a lavorare e non a farsi le seghe. Gentile signor Eden, grazie per la sua lettera che ho accolto con grande gioia. Io sto bene. La vita scorre e le mie giornate si consumano nella monotonia dello studio. Ho letto con piacere le sue poesie e trovo che siano un esempio di diligenza e di grande dedizione. Tuttavia, non so se posso darle un giudizio artistico, perché l'argomento dei suoi versi sfugge alla mia esperienza. Ma so che tutto quello che lei scrive è vero e che lei lo ha visto con i suoi occhi. Oh, Martin, io c'è sacco. Ci schietta a me fatica tutta la giornata. Ci tratta una chiave. Tutte quelle che guadagno mo bevo. Non c'è sta manca una femmina. Sono tutto visce male. Mo ci facciamo un'altra semmanella. A roppo ce ne andiamo a Napoli. A Napoli? Io non tengo a nessuno che mi aspetta a Napoli, Marti. A ruota. Meglio a fu barbone. Meglio un barbone vivo che non schiavo morto. Che succede? Niente, mo sarà di Rosano, madonna mia! Ma Rosano! Mi rotto cazzo! Mi rotto cazzo! Non ce la fai! Rotto cazzo! Mi rotto! Allora non ce la faccio più! E vattene qui! E va! Va! E va! E va! Tarapagà! Tarapagà! Mi rotto cazzo! Non voglio far più niente! Non voglio far più niente! Faccio svastriare! Tutti e due! E la settimana non ve la pago! Chiaro? Prima che mi dai, voi siete. Ma figli di me. Da me? Chi si sei sorto che mi darà, voi? E chi si sei sorto tu? Monnezza! A rotti il culo, figli di me! Togliete ora na, fagliere, come tempo porre. Aspetta, ti faccio prima le domande che ci sono e poi ritorniamo a parlare. Je vais d'abord te poser quelques questions, diciamo après nous allons parler de cet extrait. Je crois qu'il y a une question qui nous vient du public. En voyant
cet extrait de Martha Eden, je pensais à quelque chose que vous avez écrit, je crois, que vous mettiez, je m'exprime assez mal, mais à égalité, vos repérages, les archives, les scènes mises en scène ou les séquences mises en scène. Il y a cette idée que vous travaillez avec ce matériau en mettant tout à égalité. Je trouve ça assez passionnant parce que on pourrait dire non, les repérages, ça compte pas, les archives, c'est pour la préparation, mais il me semblait que vous mettiez tous ces éléments en dialogue. Hai sentito? Ma sì, ma certo, è quello che mi piace fare. Ah oui, bien sûr, c'est exactement ce que j'aime faire et ce que j'ai toujours fait. Ho avuto sempre limitazioni. J'ai toujours eu des limitations. Et cela m'a aidé. À apprendre à rassembler des choses. Je ne suis pas partisan d'un film parfait, d'un cinéma parfait. Le cinéma est imparfait. Tout est archive pour moi. Pour moi, Martin Eden, c'est déjà des archives. Lo strumento del cinema è quello che facciamo, è fatto è uno strumento a base comunicante. Je crois que le cinéma est un instrument avec des vases, une certaine porosité. Une archive peut être remaniée, et c'est un peu comme les images que j'utilise et qui vont peut-être faire l'objet d'archives un beau jour. Tout est archive pour moi. Je ne fais pas de distinction entre le fait de travailler sur des archives ou pas. J'aime travailler la caméra à la main, j'aime bien monter, j'aime bien réaliser des archives, j'aime bien la possibilité de puiser dans plusieurs ressources, plusieurs outils, plusieurs palettes. C'è un'altra domanda. Je crois qu'il y a une autre question qui nous vient du réseau. Je vais te la traduire. Aujourd'hui, le cinéma mainstream est devenu un dispositif fait de discipline et de surveillance. Comment vis-tu ton rôle d'auteur dans ce paysage cinématographique qui est de plus en plus normalisé et où tout devient une marchandise? Je ne pose même pas la question. C'est vrai qu'il faut toujours parvenir à des compromis, mais j'ai toujours aimé être en marge. Moi, j'aimerais bien disparaître, j'aimerais bien ne pas être là. J'aimerais faire des films et puis les envoyer comme ça. J'aime bien parler de cinéma, j'aime bien passer du temps avec les jeunes, j'aime bien partager ce que je fais avec les autres. Ce que je préfère, c'est la pratique. J'aimerais beaucoup enseigner, j'aimerais créer une école avec Maurizio et enseigner une école d'art et de métier. Mais je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'ai appris à dire non dès le plus jeune âge. Je crois qu'il faut apprendre à dire non. Je ne me pose même pas la question de ces marchandises. Aujourd'hui, avec la pandémie, tout a changé. C'est la victoire du totalitarisme, en quelque sorte. Imaginez-vous, nous allons nous balader à droite et à gauche avec des passeports, on va nous contrôler partout. Être quelqu'un de contre-courant est difficile, mais il faut continuer à le faire et en commençant par le bas, par la base. Il faut continuer à réaliser les films avec n'importe quels outils. Pour moi, ce travail a toujours été normal. Aujourd'hui, j'ai quelques garde-fous supplémentaires. Je peux me permettre de continuer de produire mes films, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à ma profession.
nutro dei dubbi, però sicuramente non. J'ai des doutes, non è bien una évidemment. Mercantile solamente, mais ce n'est pas uniquement une question questo. Marchande non que de faire dal basso, du cinéma. Il faut partir de la base des origines du cinéma. Souvent, nous disons que le cinéma est le septième art. Oui, il l'était peut-être à l'époque des films muets, mais ce n'est plus le cas. Le cinéma est possible dans différentes facettes et chacun s'y prend comme bon lui semble. Et après, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à réseauter. Ça, oui. Aujourd'hui, le réseau est là, mais nous communiquons de moins en moins. Quello che rivolta è qualcosa che a delle spinte che vengono sempre al basso. Ce qui révolte en quelque sorte est issu d'un geste qui vient de la base. Lorsque quelque chose se passe, cela est dû à une nécessité. E bisogna ritornare a riflettere. Je crois qu'il faut recommencer à réfléchir et à faire agir par la base, peu importe la forme et la façon. Je crois que c'est comme Faust. Il faut savoir choisir, savoir se ranger. Après, on a toujours droit à l'erreur. Il faut être des critiques de soi-même, c'est ce que j'ai appris, mais il faut apprendre à se ranger. C'è un'altra domanda che si, je crois qu'il y a une autre question a quello che vieni, qui quello che appena detto. Se greffe sur ce que tu viens de dire. Com'è stato il passaggio, da una fase comment di s'est passée la transition avevi, d'une dicevi, phase dans laquelle tu avais soldi, beaucoup de liberté et peu d'argent soldi, à la phase où tu avais plus d'argent, tu as reçu des financements. Maggiori, est-ce que tu t'es senti non. victime de contraintes ou pas? Allora, credo che il cinema sia fanfarrone alla base. Je crois que le cinéma, on peut dire n'importe quoi, disons-le, le cinéma peut être de très mauvais goût, nous le savons très bien, nous qui réalisons des films. Il faut éviter de faire du mauvais cinéma. Je crois que le cinéma est possible grâce aux amis. Et je crois que c'est encore possible de réaliser un film avec des amis, des personnes qui aiment vraiment le cinéma. Moi, je ne suis pas fanatique d'experts en matière de cinéma. Je suis plutôt sceptique face à tous ces experts. C'est un peu comme une poésie d'Ossenbach qui disait « Vous, qui venez de tous ces quartiers, unissez-vous. » Non, je ne crois pas aux experts. Moi, je ne crois pas aux professionnels. Le cinéma, un peu comme un paquebot, tout le monde part en même temps pour une croisière. Tout le monde est attiré, comme les mouches sont attirées par le miel. Il est peut-être préférable de tourner des films avec des petits budgets parce que plus le budget est important, plus il y a de contraintes. Après, j'ai réalisé Martin Eden avec 4 millions. On dirait, en le regardant, qu'il a coûté davantage. Après, on ne peut pas comparer Martin Eden à une réalisation qui a coûté 100 millions, 150 millions, mais je crois que cet argent serait mieux dépensé pour la construction d'un hôpital. Je suis contraire à ces grandes productions. Je crois qu'il est possible de faire beaucoup de réalisations, beaucoup de films avec l'argent que l'on utilise souvent pour ne tourner qu'un film. Ce sont des films qui sont réalisés à l'avance. Songeons au cinéma anglais. Il n'y a plus de néo-réalisme. Après, avec Thatcher, le cinéma est devenu un art contrôlé. Je ne crois pas que l'on puisse faire du cinéma de cette façon. Cela ne me plaît pas du tout. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'Angleterre. Bien sûr, il n'y a pas que l'Angleterre. C'est juste un exemple que je veux citer. C'est pour vous dire que le cinéma néo-réaliste n'existe plus, je songe
à des films extraordinaires. La beauté du cinéma, c'est de se mélanger. Nous avons toujours mélangé le cinéma français avec le cinéma italien et celui d'autres pays. La contamination est importante. C'est également le cas dans la musique et dans les autres arts. C'est la beauté des mélanges. C'est un creuset. Le cinéma tire sa beauté de ce mélange. Aujourd'hui, nous vivons une période où les productions cinématographiques sont souvent des coproductions artificielles qui sont là uniquement pour mélanger. Je crois que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le cinéma est le fruit d'une opération bancaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on m'appelle parce que j'ai réalisé des films, mais avant, aucun producteur ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce que l'on cherche n'est pas un auteur, mais pour respecter les commandes, on cherche des personnes qui puissent exécuter au service d'un système et au service d'un investissement. Oui, c'est un bien marchand en ce sens, ce cinéma. Il y a une question, je crois. J'aimerais revenir sur le public. En Italie, Gabriele Muccino a beaucoup critiqué le secteur du cinéma en se demandant comment il était possible de ramener les gens dans les salles alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à récompenser des films que le public ne connaît pas. Deuxième question, tu viens de parler d'un projet que tu as amorcé sur lequel tu es en train de travailler en France. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Pour ce qui est de Gabriele Muccino, je ne connais pas très bien ses films. J'ai très peu de choses à dire à cet égard. Je crois que je ne veux pas faire l'éloge des révoltés. J'aimerais, par exemple, voir des initiatives de la base au sommet qui ramènent le cinéma dans les places. Nous pouvons ouvrir les places pour montrer des films avec des écrans géants. Je crois que le système de distribution est à revoir de A à Z. Et c'est que je crois aussi que le cinéma doit être enseigné dans les écoles. Nous devons impliquer les jeunes. La polémique qui enfle autour de Gabriele Muccino, moi, je ne l'ai pas trop saisie. Je n'ai pas trop compris de sur quoi ça porte. Si j'ai bien compris, c'est un réalisateur italien, Gabriele Muccino, qui réalise des films qui font recettes. Je ne veux pas m'aventurer et parler d'un cinéaste que je ne connais pas très bien, mais je crois qu'il s'est exprimé par rapport au prix, aux récompenses David, et il disait que ses films n'étaient pas assez importants et qu'il fallait encourager le public à redevenir spectateur d'un film. Le public a besoin de cinéma. Mais de quel public s'agit-il? Nous avons eu 30 ans de Berlusconi en Italie. Ce public est aussi victime de cette époque. Après, je crois qu'il y a des enjeux aussi. Des enjeux discutables. Combien de films ont gagné des prix très importants et après ils sont tombés dans les oubliettes? Moi, j'ai fait pas mal de films, mais je n'ai pas réussi à faire gagner des prix à des films que j'ai réalisés, que je pensais pouvoir
être en mesure de gagner des prix. Après, le problème concerne plutôt la distribution. Ce n'est pas nous qui décidons du réseau de distribution. Un système est là pour ce faire et nous ne sommes que des pions dans ce système. Je crois que les mots critiques de Muccino ne sont pas sont une contradiction. Les gens parlent, après ils se contredisent. Je crois que le problème est tout autre. Le problème, ce sont les salles cinématographiques qui disparaissent et qui ferment. Voilà le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la victoire des plateformes. Les gens sont habitués à voir un film devant un écran chez soi. Les gens ne savent plus ce qu'est une pellicule de 35 mm. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport au projet sur lequel tu travailles à l'heure actuelle? Oui, c'est un projet auquel je suis encore de donner corps. C'est un conte de fées. C'est un grand pari pour moi. Nous verrons bien à quoi cela aboutira. Je dois me réfugier, en fait. Non, je me trouve à Menton, en France. J'ai quitté Naples. On verra bien ce que ça va donner. Je crois qu'il y a peut-être encore quelques questions. Je regarde aussi l'écran. Je crois que nous pouvons encore parler de Martin Eden. Dans tes interviews, tu parles beaucoup de collaboration cinématographique et dell'artigianato necessario, del savoir-faire che è alla base du savoir-faire nécessaire pour tourner un film. Je crois que la séquence que nous venons de voir est un éloge à des talents qui ont été nécessaires pour faire du cinéma. Et après, tu as travaillé avec des acteurs professionnels comme Lucas Marinelli et Jessica Cressy. Quel est ton avis à ce sujet? Pour ce qui est de Martin Eden, je crois que j'ai pu entamer une très bonne collaboration avec une société de production. Nous sommes un exemple de bonheur cinématographique avec cette société qui se trouve à Rome et qui permet de mettre à notre disposition des salles de montage. C'est ce que je disais tout à l'heure, le cinéma, c'est un produit d'une relation entre amis et c'est à l'intérieur de ces salles, de cette société de production, que nous avons réalisé le film. Après, la seule différence pour moi, c'était de travailler avec des acteurs professionnels, mais j'avais quand même un mélange d'acteurs professionnel et non professionnel. Martin est interprété par Luca Marinelli. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Nul besoin de lui donner tout un tas de consignes. Après, ce qui comptait, c'était la caméra. Moi, j'étais toujours à ses côtés. Lorsque je tournais, c'était une véritable expérience de partage et Luca est un acteur extraordinaire. J'ai tout de suite pensé à lui pour le rôle de Martin. Il en va de même pour Jessica et Carlo Cecchi. C'est un peu pareil. J'étais toujours avec lui. Après, quand une question se posait, je lui disais « Fais comme bon te semble, finalement. » Lorsqu'il fallait diriger, il fallait donner des consignes, je le faisais. J'essayais de faire comprendre aux acteurs comment s'y prendre, mais pas vraiment dans les gestes, dans ce qu'il fallait dire. Et l'expérience avec Luca a été extraordinaire, mais pas que, avec toutes les personnes qui ont œuvré au montage, avec tous les assistants de plateau, Carmen notamment. Ce que j'aime par rapport à ce film Martin Eden, c'est le mélange d'acteurs et de personnages. Après, je n'ai peut-être pas répondu à une question. Je crois qu'il y avait une autre question qui m'a été adressée. Non, je crois que c'est tout. Si, il y a une autre question maintenant.
Voilà, c'est une question que je pose pour un collègue qui me l'a envoyé par SMS. Il me dit en fait que vous filmez les visages comme des paysages. Est-ce que vraiment vous avez cette sensation de découvrir les visages? C'était Dreyer qui disait qu'il filmait d'ailleurs les visages comme des paysages. Mais est-ce que vous avez ce rapport au visage que vous filmez? J'aime tourner et filmer des visages qui parlent sans parler avec leurs yeux, sans voix. Pour ce qui est des paysages, le paysage est intéressant parce qu'il nous donne une vision littéraire. C'est bien de voir un personnage dans un paysage. Cela me donne une vision et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup filmer un visage, surtout un visage qui parle bien qu'étant silencieux, par les mouvements du visage. Encore une toute dernière question. Dans le film Martin Eden, nous avons un mélange de styles et de décors, mais le film se termine à un moment précis de l'histoire italienne, c'est-à-dire l'avènement du fascisme en Italie et le début de la guerre. Oui, je pensais aux gens qui revenaient de la bataille de Fiume. Et je voulais ajouter une touche esthétique, oui. Et il y a un petit nain qui est sanctionné, qui est puni. Martin Eden est un télescopage du XXe siècle. Jack London, lorsqu'il a écrit ce livre, il avait une prémonition de ce siècle. Nous avons traversé en quelque sorte, Maurizio et moi-même, ce siècle en mélangeant pas mal d'aspects. C'était le siècle des guerres éternelles. C'est un moment historique. Je crois que Martin Eden est un film d'actualité et cela concerne également les changements dans la dernière partie du film. À la fin du roman, nous avons quelque chose de particulier que nous avons souhaité modifier en l'adaptant à une autre époque. Martin Eden est un film de son époque. Il est un peu narcissique, ce film. Et après, nous avons les questions politiques qui sont abordées, telles que le socialisme. C'est un film d'actualité, à mon sens. Une toute dernière question. Aspettiamo il microfono. Le micro, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur la question du public. Vous en avez beaucoup parlé, de nous, dans le fond. Chez vous, si je puis dire, en Italie, c'est 30 ans d'éducation berlusconienne. Mais dans quelle mesure avez-vous, par rapport à nous, dans cette salle, par exemple, confiance? Et dans quelle mesure vous trouvez du plaisir à nous surprendre, à nous bousculer, à nous désorienter, à nous replacer, à nous faire entrer dans le film, en sortir, revenir. Comment est-ce que vous concevez ce jeu? J'estime être un personnage de votre film en tant que spectateur. Comment vous envisagez ce jeu avec nous, spectateurs? Et quel plaisir en tirez-vous? Sentito? Sì, forse ho capito un po'. Nel senso riguardo alla sala, il rapporto alla relazione con la sala. Oui, j'ai compris la question, le rapport avec la salle, avec le public, les spectateurs. Ha cominciato dicendo il pubblico ha parlato dell'educazione berlusconiana, ma on a parlé de l'éducation berlusconienne et on a aussi parlé de ce que toi-même, Pietro, tu pouvais attendre, espérer. Est-ce que tu veux finalement faire réagir la salle, la surprendre? Qu'en est-il? Est-ce que tu veux provoquer le spectateur? Bon, le film est une sorte de moyen de communication pour ce qui est de la salle. Bon, pour l'instant, effectivement, je me contente de parler des objectifs du cinéma, c'est-à-dire d'envoyer un message aux gens en général.
Bon, il faudra remplir les salles, il faudra les ouvrir à nouveau, bien entendu. Elles devraient être grandes ouvertes et accueillir toutes sortes de publics. Je crois que le cinéma est un moyen de communication. Il faut penser à un cinéma peut-être plus ouvert encore, plus accessible pour tous. Essayer d'imaginer une véritable institution au sein de la culture. Voilà comment je conçois le cinéma. Mais il faut continuer à faire des expériences. Avec le Covid, on voit qu'il y a maintenant d'autres choses qui devraient être possibles. Installer, par exemple, le cinéma sur les places. Avoir un discours différent, car c'est une question éminemment complexe, celle-ci. Je le répète, très complexe. Et peut-être qu'il faudra vraisemblablement faire d'autres tentatives. Je pense que toutes ces salles pourront peut-être être ouvertes. Elles seront, pour l'instant, elles sont vides, à nouveau remplies, je l'espère. Je ne sais pas, dans quelques mois, dans quelques années. Le cinéma reste quelque chose d'important. Bon, effectivement, c'est un souhait que l'on peut tous émettre, je crois, que les salles puissent rouvrir et se remplir. Il faudra peut-être une autre organisation. Bon, je suis désolée de ne pas être devant vous, parmi vous, mais à distance, en virtuel. Je le regrette profondément. En tout cas, merci beaucoup. Merci de tous ces messages. Ciao, Pietro.